Alors donc, en gros, euh, qu'est-ce qu'apprendre en général à l'école Donc, apprendre en général à l'école, euh, c'est sans doute facile à comprendre à partir du moment où on sait ce que c'est qu'apprendre hors de l'école. Apprendre hors de l'école, euh, c'est essentiellement s'adapter à son environnement. Donc, chez le jeune enfant, c'est s'adapter à son environnement physique, à son environnement vivant à son environnement social et peut-être pour le plus célèbre d'entre tous, à son environnement linguistique. Donc on apprend sa langue maternelle à partir du moment où on grandit dans un contexte où d'autres personnes parlent cette langue maternelle. Donc apprendre hors de l'école, c'est s'adapter à son environnement et à sa structure. C'est un processus qui est essentiellement implicite, qui est essentiellement inconscient qui est essentiellement non coûteux. On apprend sans faire d'efforts, on apprend sans être motivé. Euh, après, il y a un deuxième type d'apprentissage adaptatif, c'est les apprentissages professionnels. Dans le métier qu'on fait, on progresse tout euh, au long de sa vie. Euh, dans nos activités de loisirs, par exemple, si on aime jouer euh, à tel ou tel jeu et qu'on est passionné, à force de pratique, on finit par, par progresser euh, en, 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 en s'adaptant. L'idée, c'est que l'école, c'est tout le reste. Euh, l'école, c'est tous les apprentissages non adaptatifs. L'école existe parce que les apprentissages adaptatifs sont limités, euh, parce qu'on ne s'adapte que à ce qui est ici, maintenant, présent, on ne s'adapte que à ce qu'on pratique tous les jours, et euh, ben à l'école, euh, on apprend le reste. Le simple fait de grandir euh, quelque part ne nous, nous permet pas d'apprendre. Et pour ça, je crois que c'est très simple, il suffit de regarder euh, les sociétés. Euh, où il n'y a pas d'école. C'était où il n'y a pas d'école, mais ben les enfants apprennent énormément de choses, euh, mais ça concerne euh, essentiellement leur quotidien, essentiellement ce qu'ils vivent. Et le boulot des enseignants, le boulot des concepteurs euh, d'environnement d'apprentissage, mais ben c'est ça, c'est comment concevoir une situation dans laquelle des enfants ou des adultes vont apprendre quelque chose euh, qui va être coûteux, qui va demander des efforts, qui va être conscient, qui va être volontaire. Et euh, comment on va faire pour enseigner quelque chose qui ne marche pas de façon strictement adaptative. Voilà, c'est ça, euh, à mon avis, le premier point important. Est-ce que dans cette situation que je conçois pour que quelqu'un apprenne de façon volontaire, consciente, motivée, etc., est-ce que dans cette situation, euh, je peux mettre euh, du plaisir, je peux mettre de l'épanouissement, je peux mettre de la joie, je peux mettre des relations sociales, et puis pour la question qui m'intéresse plus particulièrement, est-ce que je peux mettre du jeu euh, et, euh, et ça, me semble-t-il, on ne peut l'aborder que dans un deuxième temps. On ne peut l'aborder qu'à partir du moment où on dit, voilà, apprendre de façon non adaptative, c'est ça, les conditions requises, c'est ça, et alors maintenant, on peut se demander euh, dans quelles conditions euh, cette situation qui est caractérisée peut être une situation voilà, intéressante, épanouissante, joyeuse euh, ou ludique. Non est-ce que on peut avoir des satisfactions en apprenant Est-ce qu'on peut s'épanouir en apprenant Ou est-ce que en fait le plaisir ou peut-être l'épanouissement, ou peut-être autre chose, n'est pas lié au fait d'apprendre, mais seulement à la situation dans laquelle on apprend. Voilà. Il me semble que c'est ça les trois grandes questions qu'on peut se poser à, à, à propos du, euh, du plaisir d'apprendre et une fois qu'on sait à peu près de quels apprentissages on parle quand on parle des apprentissages scolaires.